Bonjour, bonsoir, madame, messieurs. Bonne semaine d'information sur Télépacifique. Mes journaux là, mes titres Cap Domini Actualité A. Plusieurs côtés dans Capital là, tant qu'au Avenue John Brown, la Lue, Rue Marcelin, t'es bloqué non matin 14 mars là. Côté citoyen yo a protesté contre Zak kidnapping yo qui passe suspend non Capital là. 11 mars passé là, c'était un vendredi noir. Côté poupi petit bandit et kidnappé 10 moun parmi yo, directeur collège Jacques Roumain ak madame Lee. Dimanche soir, kidnappé au lagué, madame Lan. Association médicale haïtienne AMH a fait une grève 3 jours, Kabout 16 mars là contre insécurité. Gagnon Mess Requiem, responsable police nationale là, t'es fait chanter samedi pour policiers qui t'es mouru tragiquement dans opération catastrophe 12 mars 2021 dans village de Dieu. Premier ministre Ariel Henry retourné dimanche dans capitale là après voyage li dans pays Chili dans côté le tal participer dans prestation sément nouveau président Gabriel Boric. Responsable forum pour éducation et développement d'Haïti fait du V avec Patnel d'Haïti STEM Alliance organisé samedi 3e édition compétition robotique FUS Lego League FLL Nandelma. Madame, Monsieur, Véter, nous pas déplacer dans tout là. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Autorités ont montré qu'ils ne sont pas capables de combattre les bandits qui participent à commettre des kidnapping, particulièrement dans la région métropolitaine Port-au-Prince. Pour cette journée, 11 mars passé, il y a malfrats kidnappés pour Pipiti Dismoun. Parmi eux, directeur Jacques Roumain, Ernst Lafleur, et Madame Lee. Ils ont libéré Madame Lan dimanche soir. Ernst Lafleur, c'est directeur cabinet, directeur général, centre national, équipement CNE. Après les kidnapping, l'individu a été tiré entre Avenue Christophe et John Brown. Côté pour Pipiti Dismoun des victimes. Des élèves qui tapent tant de machines pour entrer la caillou, qui étaient indisposés. Non matin, 11 mars là, sous Avenue Pouplard, bandit et kidnappé des moun, même Jean ak sous Turjo, tout près collège Roger Anglade, ak Canapé Vertou. Zak kidnapping sa yo komet après nomination ak installation. Dismas Alan Serge Jolicoeur, non tête direction départementale ouest Polisna, côté le remplacé Fresnel Saint-Cyl. Face à situation ça, diverses situations. T'es bloqué plusieurs côtés de la capitale là, samedi à. Jeudi, lundi 14 mars là encore, ces mêmes réactions, en particulièrement sous avenue John Brown, côté élève, yon mette bon en mitanaria, bloqué circulation hein, pour demander libération, Ernst Lafleur. Pendant mouvement protestation 12 mars là, bandi yon kidnappé yon moun nan Rue Marcelin, ça que la cause, jeudi lundi, yon, moun nan Katia, bloqué la ria. Faut que nous signaler association médecins haïtiens yo AMH a fait une grève 3 jours cap fini 16 mars contre insécurité a médecins yo a réclamé libération docteur Michel D'Alexis ak Pierre Bonsi banti yo kidnappé depuis 2 mars en dans clinique yo dans rue Elberne. Premier ministre Ariel Henry retourné dimanche dans la capitale là après voyage li dans pays Chili côté il t'al participé dans prestation sément nouveau président Gabriel Boric n'ayant point de presse dans aéroport international Toussaint Louverture. Ariel Henry déclaré voyage ça t'es inspirant parce que pays Chili ak Haïti t'es connaît en pile gros difficultés dans l'histoire yo si tout dans l'année 2019 chilien yo rivé traverser difficultés ça yo et puis organiser élection dans pays yo. Docteur Henry rappelé dans l'année 2019 troubles sociaux ak politique yo t'es la cause plusieurs moun mouri ak l'autre blessé dans pays Chili et la police t'es arrêté plusieurs moun et genan yo qui toujours en prison. Pour Ariel Henry déplacement t'es important parce qu'il te permet Haïti manifester présence li dans région et puis poter soutien by démocratie. Chef gouvernement fait qu'on a été rencontré particulièrement ak roi d'Espagne là sous problème sécurité a côté gain promesse yo fait non sans ça. En côté premier ministre Ariel Henry. Aller Chili sous insistance gouvernement chilien. Voyage ça c'est un voyage qui était inspirant parce que n'aller nous avons un peuple qui a des difficultés importantes, même gens nous avons des difficultés en 2019. En 2019, même gens qui ont un pays loc, nous avons un pays loc la caillotte. Il y a un pile monde qui mourit dans ça. Il y a un pile monde qui blessé. Et jusqu'à présent, il y a un pile monde qui est en prison. Et nous voyons que nous arrivons, grâce à l'institution que nous avons, nous arrivons à faire élection. Il y a encore des tensions dans la société.
Mais dans l'élection, il y a un bon monde qui est minorité dans le pays. Parce que Chili fait de plusieurs peuples. Moun sa yo, minorité sa yo, qui pat au pouvoir, c'est yo qui vini gagner l'élection. Et yo rive faire une transition pacifique. C'est-à-dire que moun qui était dans le pouvoir, yo quitté le pouvoir. Attention, yo re le président, yo dit le lap soti pour libérer, président sortant, pour libérer prisonniers politiques. Yo chahuté un petit peu, mais malgré tout, yo rive transmettre le pouvoir de façon très démocratique. L'inspirant donc pour nous en tant qu'Haïtiens, parce que l'histoire semblait en pile, histoire pas nous. De l'autre côté, Ariel Henry dit qu'il a rencontré tout même communauté haïtienne qui a évolué dans le pays Chili. C'était occasion pour compatriotes Sayo demander au gouvernement bayo papier légal. C'est environ 170 000 Haïtiens qui vivent Chili et Genio représenté tout avenir pour pays ça côté population a vieilli d'après ça docteur Henri Soulien. Les promettent pour bail migrants Sayo puis bon service côté aux ces ressources importantes pour économie pays Chili. Ariel Henry. Pendant ces jours-là, nous parlons non pas non seulement de sécurité, nous parlons tout de développement et de crise qui est une crise mondiale là, et qui gêne pour le faire les uns et les autres pour nous aider nous traverser période difficile. Pendant voyage ça, en dehors de chef d'État, chef de gouvernement, chef de délégation que nous rencontrons, nous rencontrer aussi communauté haïtienne. Son communauté qui est très dynamique, il y a en pile, il y a à peu près 170 000 monde. Il y a monde qui pour rencontre là et ça pour nous c'est un honneur qui fait 15 heures de route pour arriver dans rencontre là. Il y a monde qui prend avion, qui fait 3 heures d'avion et nous te gagner des échanges, c'est-à-dire que nous des dio un certain nombre de choses, yo dit nous tout un certain nombre de choses. Il y a des bagages yo mandé l'État haïtien fait et l'État haïtien prend un certain nombre d'engagements sous papier au besoin, tant au point de vue éducation qu'au niveau de la police, au besoin de papier pour être capable de vivre au Chili. Nous parler de l'avenir tout, parce que c'est une série de monde qui, pour la plupart, c'est monde qui est allé dans l'université, qui a un diplôme. Et monde ça yo, c'est une ressource liée dans le pays côté population a vieilli. Je vais expliquer ça, je l'ai dit par population a vieilli. Il n'y a pas fait un pile de monde. Il n'y a pas fait assez de monde pour renouveler le monde qui a mouru. Et il y a une population qui a vieilli. Son population qui a besoin d'une force de travail. Et le monde qui est allé au Chili, tôt ou tard, dans les 10, 15, 20 ans qui viennent, il va occuper un rôle important dans l'économie chilienne, un rôle important dans la politique chilienne. Responsable police nationale là t'a fait chanter samedi yon messe requiem pour policier qui t'est mort tragiquement dans opération catastrophe 12 mars 2021 dans village de Dieu. Dans circonstances là t'a gain photo des fin yo qui c'est Georges Renoir, Vin Vender, Desilius Whistler, Eugène Stanley, Ariel Poulard ak Luc Dor Pierre. Yo t'a profité exposé dans local l'école police là sous route Freya côté responsable yo t'a déposé yon bouquet fleurs non mémorial qui dans local l'école police là. Te gagnons sensible à tes gasoline week-end là non niveau capital là plusieurs propriétaires ak chauffeur machine ti couri al fait gaz non quelques pompes qui te gagnent gaz yo gain pompe c'est diesel seulement yo te gagnent cependant ministère commerce by assurance pas gain raté gaz côté le fait qu'on est li te gain fait commande gain 126 camions côté yo chaque gain 486 000 gallons gasoline et puis 423 000 gallons diesel qui te quitté central Varua samedi pour te capable alimenter pompe d'après responsable. Responsable Forum pour éducation et développement d'Haïti fait du V ak Patnel Haïti STEM Alliance organisé samedi 3e édition compétition robotique First Lego League FLL dans local collège Saint-Louis de Gonzague sous Delmar. Il y a environ 200 participants qui dans 16 équipes qui étaient sortis dans 12 écoles qui étaient participé dans activité si là d'après organisateur yo depuis des mois yo tap construit robot yo et puis mettez campé projet recherche yo dans cadre compétition ça.
équipe qui champion doit à la représenter Haïti dans finale mondiale là dans Texas dans pays États-Unis 22 à 23 avril prochain. En côté précision Arnold du Lèpre, une organisateur dans micro mot de légende. Moi ap encourager nous pour nous venir dans First Lego League parce que c'est un programme qui fait cap développer en Haïti et c'est un programme qui t'a supposé fait dans tout niveau pays a pour goal nous en fait objectif nous c'est pour nous arriver faire des programmes dans tout pays a dans tout 10 départements yo pour nous faire des championnats régionaux ensuite nous faire des championnats nationaux là c'est pratiquement championnat national là n'a fait avec 16 équipes qui viennent tout partout dans le pays a mais nous pas assez pour nous faire des championnats régional. Donc, année ça, nous fait un championnat national avec 16 équipes qui viennent tout partout. Nous avons une équipe qui vient de Jacmel, nous avons une équipe qui vient de Deschapelles. Objectif nous, c'est faire des championnats régionaux pour ces vainqueurs championnat régional, ça y est, qui viennent faire championnat national là en Haïti, pour champion national là qui a représenté Haïti dans le World Festival qui a fait en avril 2022 là. Donc toute équipe, tout pays a fait des compétitions là caillou et puis vainqueur chaque pays a représenté pays a dans le World Festival qu'a fait aux États-Unis. FLL là c'est un programme éducatif aux États-Unis qui présente dans 100 pays, c'est une compétition technologique et scientifique qui encourage fair play, la caille géniaux. Badjin François, une responsable projet, bat bravo pour participation géniaux dans la troisième édition. Li promettent pour continuer faciliter géniaux gain accès à technologie ça yo. Badjin François. C'est pour nous arriver sur tous 10 départements. Moi, je suis arrivé en 5 ans. Bon, chaque 2 ans, je me dis même pas, je suis en 5 ans. Nous avons une compétition de 200 équipes en Haïti. Côté que chaque département gagne une compétition régionale. Et puis, qu'on y a la même, ou vine, qu'on y a la ville Port-au-Prince, pour nous gagner une compétition nationale. Donc, c'est là, c'est bien, c'est là que nous-mêmes nous voulons arriver, c'est là que nous-mêmes avons avancé pour nous assurer que tout le monde a une possibilité, tout le monde. Capable l'autre journée jodi l'entend technologie l'entend informatique l'en que yo ka yo gen pratique l'en depuis un jeune âge viens joindre nous relez nous contactez nous sur WhatsApp j'aime dire nous relez nous ou joindre nous sur Facebook contactez nous sur WhatsApp faites nous connaître que vous intéressé et nous même n'a pédo entamer processus là et quoi me souvler, ça vaut la peine parce que jeunesse a besoin, jeunesse a grand goût pour lui et futur nous dépend sur lui. Parce que demain matin, ou après machine, c'est pas gaz qui a conduit, c'est un ordinateur qui va le conduire. Frigide la caillou déjà, ou bien c'est sous on adresse, on adresse internet que l'a utilisé. Donc ou besoin jeune préparé pour avenir, préparé pour type de job cap disponible en 5 à 10 ans. Plusieurs participants pas de cacher satisfaction yo côté yo fait connait yo t'ai rencontré en pile difficulté pour construire robot yo et puis monter projet yo en côté yo toujours dans micro mot de légende pour Télé Pacifique. Jeudi on a participé dans concours mais bagay yo pas trop facile pour nous là nous t'a pas traîné parce que travailler en équipe là n'est pas tellement bagay qui trop facile. Parfois, il y a des difficultés, mais nous sommes arrivés, entendons-nous quand même. Je dis à la participer dans le concours, mais l'important pour nous, ce n'est pas que pour nous premiers ou bien pour nous prendre au coup, mais l'important c'est que nous participer et puis que ça nous apprendre de temps. Nous participer dans l'activité, c'est d'abord pour nous amuser, nous, parce que valeur fondamentale FLL, c'est amusement, travail, esprit d'équipe pour nous gagner, pour nous coopérer ensemble. Lego League, nous avons appris les bases de la technologie de l'informatique. Nous avons appris également à travailler et à coopérer en équipe. Cette expérience étant interclasse, nous avons pu côtoyer des élèves venant de divers horizons. Nous avons partagé nos opinions. Nous nous sommes parfois un peu disputés, mais au final, nous avons beaucoup appris l'un de l'autre. D'autre part, malgré les difficultés avec le robot, parce que le robot est vraiment capricieux, donc voilà, il ne fait pas toujours tout ce qu'on lui demande. Mais malgré tout, on a pu
on a pu remporter la victoire l'année dernière et on compte la remporter cette année. Madame, monsieur, Jean Labout, nous vous souhaitons bonne chute Télépacifique pour sa programmation. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.